Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une porte totalement invisible, comme vous pouvez le voir. On n'a aucune trace qu'il y ait une porte ou un bouton ou une plaque de pression sur 1x2. J'ai fait le même tuto pour une porte 2x2, et donc là j'en fais un pour une porte, comment dire, 1x2. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Par contre c'est toujours un peu compliqué à appuyer sur le bouton. Ah. Ah. Voilà. Et voilà, la porte s'ouvre et elle se referme derrière nous. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune trace. Donc c'est bien si on veut faire par exemple une sorte de backtave. Donc voilà. Donc on va tout de suite procéder à la construction. Donc nous revoilà pour la construction. Donc alors, tout d'abord, 4 pistons comme ça et 2 comme ça. Après, voilà. Ça, c'est la porte. Après, on fait comme ça. C'est presque pareil que pour la construction de la porte 2x2. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc déjà, on va faire le mur. Hop, voilà. Je vais vous expliquer le système de l'escalier. Par exemple, si on pose un escalier comme ça et un autre escalier derrière, bah on a 2 escaliers, mais ça fait comme si c'était un mur. Il y a juste un petit défaut ici, mais bon, on n'y prête pas trop attention sur le coup. Donc, vous voyez, Minecraft, il ne détecte pas que c'est un bloc plein. Donc du coup, bah on peut appuyer là dans le trou entre deux et ça casse pas le bloc. Par contre là, ça le casse. Donc voilà. Après, on va mettre le bouton ici. Là. On va mettre un flip-flop. On va le faire dans le sable. Alors, comme ça, ici, comme ça, piston comme ça, un piston ici, faut mettre d'abord le bloc, voilà, après, le signal, on va le faire sortir ici, là. Le signal, il faut le relier à ça. On va faire passer en dessous. Ah non, ça va. Attendez 2 minutes. Avec ça, ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Bon. Voilà. Donc on va mettre un. Voilà. Ça va éviter. Faire là, voilà, comme ceci. Là, après. Continue le signal. Donc, faut faire le toit tout d'abord. Comme ça. Faut mettre de la redstone ici et de la redstone en dessous. Et ça, on va le relier à ça avec un titre de délai, ça suffit. Donc voilà, hop. Voilà. J'ai peur que ça gêne ici. Comme ça, donc j'ai mis un repeater ici.
Comme ça met de l'énergie dans tout ce bloc. Ce qui permet de le récupérer ici. Ça va pas, désolé. Et donc on va faire comme ça. Répéteur là. Ça on peut aller ici. Et en même temps on peut aller là. Voilà. Et normalement le circuit est fini. Voilà, la porte se ferme. La porte s'ouvre. Après, on rebouche ici avec une demi-dalle ici, comme ça bloque pas. Bien sûr, il faut cacher tout ça. C'est bon. Voilà, donc on prolonge. Bon, ça fait juste un petit trou comme ça, mais bon, c'est pas bien grave. Vous pouvez remettre ça derrière comme ça. On voit pas la suite. Voilà. On voit pas ce qu'il y a derrière. Ou sinon, vous pouvez vous mettre les blocs ici, mais bon, ça réduit un petit peu. Voilà. Après, pour faire la mémoire. La plaque de pression là, qu'on va mettre ici là et ça on va le relier à ce qui est allé là-haut voilà pas que ça croise ça. On met des blocs et normalement ça doit marcher. Non, il manque du signal. Bon, voilà, normalement, voilà. Donc, on tape sur le bouton. Voilà. On retape. Ça s'ouvre. On va là. On passe là et ça se referme. Voilà, ce petit tuto est fini. T'es Magic Gamer, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire. Allez, ciao, à la prochaine.